Le match du second tour commence aujourd'hui, dans le nord de la France, pour le président candidat en campagne. Ici à Denain, la maire est socialiste. Elle lui a donné son soutien, mais les électeurs, eux, ont plébiscité Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. S'il vous plaît, pensez à la France du bas. Toute une journée au contact d'une foule parfois un peu hostile. Vous n'aimez pas beaucoup les retraités, hein? Vous rigolez ou quoi? Toutes les occasions sont bonnes pour cibler le programme de son adversaire ici, les retraites. Moi, je regardais aussi le programme de Mme Le Pen, elle ne permet pas de l'augmenter. Et d'ailleurs, comme elle n'explique rien, qu'elle dit au fond aux gens, dormez braves gens. Moi, je ne toucherai pas l'âge légal, voire elle proposait il y a 5 ans, 60 ans. Elle n'explique pas aux gens comment elle le finance. Rallier les électeurs d'extrême droite, reconquérir l'électorat de gauche, soigner sa droite, tout un programme pour Emmanuel Macron, qu'il annonçait dès hier soir. Sa porte est ouverte. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Emmanuel Macron arrive donc en tête du premier tour avec 27,85% des voix, suivi de Marine Le Pen à 23,15%. Deux visions de la France s'opposent pour un match retour que les partisans du RN voyaient cette fois déjà gagné à 20h hier soir. Je suis heureux, heureux. Indéniablement, tout le monde a contesté contre M. Macron. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire entendre raison aux électeurs, une partie des LR, aux parties de M. Zemmour, de ceux de M. Mélenchon également, qui vont comprendre que le programme social de Marine les concerne également. Comme un air de 2017, la même affiche au deuxième tour, 5 ans plus tard. Ça marche ou pas ? Est-ce que le plus dur commence, Marine ? C'est une autre élection, la poursuite d'un parcours, il faut rassembler. Rassembler ses troupes d'abord ce lundi. Au quartier général du RN face caméra, Marine Le Pen, entourée de ses fidèles, affiche une certaine confiance. Voilà, tout ça, ça a payé et ça nous permet d'arriver dans le cadre de ce second tour sans avoir perdu notre sérénité, notre calme, notre détermination, la conviction absolue que nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Et Marine Le Pen sait qu'elle peut compter sur les électeurs de son rival d'extrême droite, devenu hier soir un allié malgré lui. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Tour à tour hier soir, dès les premiers résultats, chacune et chacun des candidats recalés donnait ses consignes de vote. Plus ou moins de bon cœur, plus ou moins clairement. Pour Emmanuel Macron, annonce Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Valérie Pécresse. Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Et contre Marine Le Pen, recommande le troisième homme du scrutin. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Un duel qui commence aujourd'hui sur le terrain. Le Nord donc pour le président, la Bourgogne cet après-midi pour Marine Le Pen. Face à face prévu, mercredi 20 avril, pour des retrouvailles télévisuelles tant attendues.